à ce que toute la situation en Tunisie soit vraiment en déclin. La situation politique, la situation économique, la situation des libertés et enfin la situation sécuritaire. Après la révolution, on pensait avoir un gouvernement, au moins pour une période, qui pourrait vraiment réaliser la démocratie. Et là, on se trouve sous un gouvernement qui n'a jamais tardé pour mettre tout le pays sous un régime, et je le dis très clairement, c'est un régime fasciste. C'est exactement un régime fasciste qui est en train de tout faire pour que la Tunisie s'écoule dans l'obscurité totale. On a eu 3 assassinats politiques en Tunisie jusque-là. 3 assassinats politiques en une année. 3 assassinats politiques avec un sang-froid. 3 assassinats politiques sont considérés les sacrifices que le peuple tunisien a donnés et a avancés. On est sous un gouvernement sourd et muet. C'est un gouvernement qui n'écoute rien, qui ne voit rien, sauf les ordres extérieurs du Qatar et de l'Arabie Saoudite. C'est un gouvernement qui ne veut rien entendre de ce peuple, qui ne veut rien entendre de la souffrance économique et sociale de ce peuple. Et encore plus, c'est un gouvernement qui ferme les yeux et qui incite à la haine, qui incite à la violence, qui incite à... Je ne trouve pas, croyez-moi, je ne trouve pas comment décrire ce que ce gouvernement est en train d'exercer en Tunisie. Et encore plus, encore une fois, le peuple tunisien est en train de résister avec toute sa force après l'assassinat de notre camarade, ami Mohamed Lebrahmi, le 25 juillet. Tous les Tunisiens étaient dans les rues, tous les Tunisiens ont décidé de mettre fin à ce gouvernement. Depuis le 25 juillet, tous les Tunisiens sont à Bardo, au centre-ville de la Tunisie. Tous les Tunisiens ont organisé un sitting. Tous les Tunisiens ont fait tout ce qu'ils peuvent faire pour dire à ce gouvernement « Partez d'une manière pacifique, d'une manière raisonnable ». Et pour surtout pour ne pas tomber, pour ne pas prendre cette tournure de violence. Tous les Tunisiens refusent la violence, refusent le terrorisme. Tous les Tunisiens demandent une seule chose, que ce gouvernement parte. On a fait ce sitting depuis le 25 juillet. Le gouvernement n'arrête pas de nous menacer par un référendum. Le 6 août 2013... on a célébré 6 mois de l'assassinat, de la mort de Chokri Belaïd. Et on a lancé un défi à ce gouvernement. Et on a dit que c'est un référendum pour la légitimité de ce gouvernement. Et on a eu pas moins que 300 000 personnes à Bardo qui étaient là pour dire à ce gouvernement « Dégage, encore une fois, dégage avec une haute voix ». On a lancé un deuxième défi. Et on a lancé un deuxième référendum. Le deuxième référendum, c'était le 13 août. C'était la célébration, c'était la journée nationale de la femme en Tunisie. Et il y avait pas moins que 150 000 personnes, la plupart des femmes, sur la place de Bardo. C'était un deuxième référendum, encore une fois, pour la légitimité. Et on a dit encore une fois à ce pouvoir en place, à ce gouvernement de Nahda, allez-y, partez, on n'a pas besoin de vos terroristes, de vos pratiques anti-humanitaires. On a besoin d'un gouvernement, on a lancé tout un programme. On veut un gouvernement de technocrates, mais des vrais technocrates, des professionnels qui savent mener et gérer les ministères. On n'a pas besoin de diviser encore une fois les ministères selon les dépendances politiques. On a besoin qu'il y ait un gouvernement technocrate, professionnel, pour nous ramener aux élections. On demande que ça. On ne demande pas de les remplacer. Nous,
on ne demande pas du tout de les remplacer, mais quand même, le gouvernement refuse qu'il y ait ce gouvernement de technocrates, refuse de reconnaître sa responsabilité dans tous ces échecs qui deviennent visibles aux Tunisiens et à l'extérieur, refuse de reconnaître sa responsabilité claire et son implication claire à la protection des assassins de Chokri Belaïd, de Lotfi Nagd et de Mohamed Ebrahimi. Ce gouvernement refuse totalement d'écouter et le peuple résiste. Nous sommes toujours à Bardot. On restera toujours à Bardot. On ne quittera pas du tout Bardot. On ne quittera pas le sitting avant que ce gouvernement ne parte. Je vous promets, j'ai promis à tous les Tunisiens, on a promis à tous les citoyens et je vous promets à vous qu'on va mener tous le combat de citoyenneté. On cherche, on attend, on va atteindre une Tunisie démocratique, une Tunisie libre, une Tunisie sans violence, sans intégrisme, une Tunisie vive, une Tunisie culturelle et une Tunisie aussi écologique. Je vous promets qu'on ne baissera pas les bras. Je vous promets qu'on sera au sitting à Bardot jusqu'au départ de ce gouvernement. Et merci. Bravo. Massacre de civils. Et quand les pays européens hier ont dit on n'a pas d'alternative, on fronçait un peu les sourcils et on dit qu'il fallait continuer les relations comme avant avec l'Égypte, sinon de toute façon l'Arabie Saoudite allait prendre les relais. L'Europe n'a pas à se déterminer en fonction de ce que fait l'Arabie Saoudite, le Qatar, elle a à se déterminer en fonction de ses valeurs, de ses principes, et on ne peut pas d'un côté dire que nous sommes pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et ne rien dire ou presque lorsqu'il y a des massacres de civils. C'est tout à fait contre-productif à long terme. Il n'est pas question d'être partisan des frères musulmans. Il n'est pas question d'adhérer à leur programme. Il est évidemment contraire à vos valeurs en tant que formation politique et moi, contraire à mes valeurs en tant qu'analyste et militant également. Mais on ne combat pas un mouvement politique par les armes. On les combat par les manifestations, par les sit-ins, par les urnes, jamais par les armes parce qu'on ne fait que reculer le mouvement. Les frères musulmans qui avaient perdu leur légitimité parce qu'ils avaient montré qu'ils n'avaient pas les solutions à apporter au pays, qu'ils n'avaient pas les solutions à apporter aux problèmes que se pose l'Égypte, eh bien, c'est bien sûr par l'usure du pouvoir, par les manifestations, par les pétitions qu'ils allaient être combattus. Là, le coup d'État militaire et plus encore la très forte répression va leur donner une légitimité pour les militants et va conduire une partie d'entre eux à un radicalisme. Et les deux extrêmes vont se rejoindre. La répression va susciter du terrorisme qui va susciter une nouvelle répression. Nous sommes dans un cercle vicieux. Je trouve d'ailleurs qu'il est pour le moins symbolique que le même jour, Edward Snowden ait été condamné à 35 ans de prison et que Moubarak ait été libéré. Quel symbole que le même jour, celui qui voulait la transparence et que l'on n'a pas réellement soutenu en Europe. Si Edward Snowden avait été russe ou chinois, il aurait été accueilli comme un héros de la liberté. Nous l'avons laissé tomber. Et le même jour, Hosni Moubarak a été libéré, ce qui montre bien que le coup d'État en Égypte n'est pas une avancée dans la démocratie. Ce n'est même pas un retour à l'ordre ancien, c'est le maintien des privilèges d'une caste. Et évidemment, ce coup d'État ne va mener ni à la démocratie, ni à la justice sociale. Et l'Égypte va perdre plusieurs années avant qu'il puisse reprendre espoir. Ce qui se passe en Tunisie est vraiment clé. La Tunisie est devenue le pays clé du monde arabe. Elle était très longtemps marginale stratégiquement. La Tunisie était aux marges des conflits stratégiques du Proche-Orient. Elle devient centrale parce que c'est là que se déroule le combat pour la démocratie. C'est là que, d'ailleurs, c'est le seul pays où il y a une véritable révolution. En Égypte, ça a été une révolution mêlée d'un coup d'État. En Tunisie, ça a été le seul pays où il y a une vraie révolution. Et c'est là, aujourd'hui, que tout se déroule comme symbole pour l'ensemble de la Méditerranée. Il faut effectivement qu'il y ait une lutte politique pour que les libertés ne soient pas étouffées. Mais moi, j'ai confiance dans la société civile tunisienne. J'ai confiance dans le peuple tunisien. Ce qu'il a acquis ne lui sera pas repris. Les Tunisiens, les Tunisiennes, encore plus, se battent. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Ça sera bien sûr long. C'est chaotique. Il y a des drames. Mais sur le moyen long terme, on ne reprendra pas aux Tunisiens ce qu'ils ont acquis eux-mêmes.
Et sur le long terme, ce qui change, c'est que les sociétés civiles, les peuples, prennent de plus en plus la parole. Ce qu'on appelait le printemps arabe n'était pas vraiment un printemps, d'ailleurs il est survenu en hiver, a montré que ce n'était pas un mouvement général, il n'y a pas eu un effet domino comme certains le prédisaient à tort en faisant une fausse comparaison avec l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, il y avait un élément clé qui était la présence militaire soviétique, il n'y avait pas d'équivalent dans le monde arabe. Et on a vu dans le monde arabe qu'il y avait en fait 22 cas nationaux différents et qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même mouvement parce que l'histoire n'est pas la même en Égypte, en Tunisie, en Algérie, où la situation économique et sociale n'est pas la même dans tous ces pays. Mais en tous les cas, ce qui montre surtout, c'est que dans le monde arabe, comme partout dans le monde, les sociétés civiles sont en train de prendre le pouvoir. Ce qu'a fait le pouvoir militaire égyptien, c'est de couper la presse d'opposition, les mouvements, les médias, mais ils ne pourront pas couper Internet, ils ne pourront pas couper les réseaux sociaux. Et partout dans le monde, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier, les peuples prennent de plus en plus la parole parce que le monopole des gouvernements sur l'information, il est mort. Chacun fait son miel de l'information. Lorsque Gorbatchev a pris le pouvoir en 1985, l'information des membres du Politburo de l'Union du Parti communiste de l'Union soviétique était faite par 6 fonctionnaires du ministère soviétique des Affaires étrangères. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Chaque citoyen, partout, même dans les pays où on ne vote pas, même dans les pays non démocratiques, il y a des citoyens qui échangent, qui se mobilisent, qui ont accès à l'information. Et c'est ça la grande nouveauté stratégique, plus encore, qui vient modifier les données après la chute du mur de Berlin. La grande donnée stratégique qui change l'état du monde, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'humanité est politiquement active. Dans des formes différentes, selon l'histoire de chaque pays, selon le développement économique, selon le taux d'alphabétisme. Mais il n'y a plus de pays totalitaires, sauf en Corée du Nord, et même dans les pays où il y a des répressions, eh bien, les gouvernements, qu'il s'agisse du gouvernement russe, qu'il s'agisse du gouvernement chinois, doivent faire face à une opinion, à une société civile qui conteste le monopole de son pouvoir, et chacun s'exprime. Et c'est pour cela que, même si on doit effectivement être inquiet et extrêmement mobilisé par rapport à ce qui se passe, par rapport à la formidable régression qui a suivi le grand espoir de 2011. Il y a une formidable régression aujourd'hui en Méditerranée, mais c'est une étape. C'est une étape. L'histoire est longue, elle est bien sûr dramatique quand on la vit au quotidien, et je salue ton courage. Mais si l'on se projette sur le moyen terme, l'histoire est en marche. Elle est en marche dans cette région parce que les peuples ne vont pas se faire confisquer. Le pouvoir des armes n'est pas éternel. Le pouvoir des armes se fait entendre quelque temps, mais il ne pourra plus étouffer la voix des populations, la voix des sociétés civiles, la voix des citoyens qui, au quotidien, montrent leur courage, qui s'expriment et qui ne se feront pas reprendre les principes de liberté, les principes d'égalité homme-femme, les principes de libre expression, les principes de mobilisation. Il y a donc un mouvement, il ne faut pas s'attendre. C'est un peu, bien sûr, le défaut des médias qui voudraient que l'histoire, la révolution se fasse en un jour. Dans nos pays européens, les révolutions ne sont pas faites en un jour. L'histoire a été longue et on ne peut pas demander à ces pays de faire en quelques mois ce que nous-mêmes avons, là aussi, dans la fureur, dans le sang, mis des décennies à accomplir. Il faut par contre les aider, il faut par contre les accompagner, il faut par contre être solidaire. Et être solidaire, c'est ne pas avoir développé une capacité d'impuissance en disant « Eh bien, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Non, on peut aider les mouvements qui luttent pour la liberté, on peut les accompagner. Il ne s'agit pas d'ingérence, bien sûr, mais l'aide, l'accueil, l'écoute, ce n'est pas l'ingérence. Ce sont les peuples qui feront leur propre histoire. Nous n'avons pas à déterminer pour eux ce qu'ils doivent faire, mais déterminer pour eux ce qu'ils doivent faire, c'est pas non plus laisser les pouvoirs régressifs, les pouvoirs militaires, agir en toute impunité. Et entre l'ingérence et l'indifférence, eh bien, il y a le militantisme, il y a la complicité, il y a la solidarité, et je crois que c'est vers cela que nous devons tendre. Merci. Je pense que nous avons une responsabilité historique. Nous, Europe Écologie Les Verts, avec nos journées d'été qui se déroulent dans cette ville méditerranéenne, alors que il y a un mur de cadavres en Syrie. Ce matin, nous avons appris qu'il y a eu des attentats, où il y a eu des attaques avec du gaz et qu'il y a des centaines de morts qui s'ajoutent aux 100 000 morts depuis le début de cette révolution qui était pacifique. Il y a un mur de cadavres en Égypte.
où les militaires ont fait un coup d'État qui vide de son sens l'effort du peuple égyptien pour reprendre son destin en main. Les deux événements sont liés. Assad se sent fort du soutien de l'Égypte et il se sent fort de l'absence de réaction virulente et forte des Européens et des Américains devant cette situation. Un événement est passé relativement inaperçu, c'est l'attaque par un drone israélien des djihadistes dans le Sinaï il y a quelques jours. Et Pascal Boniface a complètement raison quand il dit que ne pas laisser les frères musulmans se discréditer par leur mauvaise gestion, mais faire cette répression sanglante en fait de martyrs. Et selon leur propre dire, il y a 3 millions de frères musulmans en Égypte. Ça fait un réservoir de djihadistes. Et lorsqu'on regarde la situation dans le monde aujourd'hui, nous ne gagnons pas contre les djihadistes. Je travaille en Afghanistan dans la lutte contre la corruption et je peux vous dire que les djihadistes sont très actifs en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Libye, même au Mali. Nous ne gagnons pas pour le moment la lutte contre eux et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient va les renforcer et c'est ça le drame. Et c'est pourquoi notre responsabilité historique en tant qu'hommes et femmes politiques, c'est de faire de sorte que la révolution en Tunisie ne prenne pas le même chemin. C'est une action pas simplement symbolique, mais tout l'équilibre de la région repose sur le fait que nous arriverons à faire entendre à Ennahda qu'elle ne peut pas se maintenir au pouvoir contre l'opinion de son peuple et d'une façon illégitime, ils avaient été élus pour faire voter une constitution et cela fait maintenant trop longtemps que les discussions tournent autour des articles de la constitution et non pas sur les véritables crises que traverse la Tunisie, la crise de l'absence, la crise sociale, la crise de l'absence d'emploi, la crise écologique. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'aider le Front populaire, c'est d'aider les forces qui veulent des élections légitimes et la constitution d'un nouveau gouvernement démocratique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons aider la Tunisie à recouvrer les fonds détournés sous le régime Ben Ali et qui se trouvent dans les banques européennes. Ces fonds n'ont pas été restitués, ils font cruellement défaut. Nous pouvons aider la Tunisie en restructurant leur endettement, à faire de sorte que la dette illégitime soit annulée, soulager le coût de l'endettement. Nous pouvons les aider dans les négociations à venir avec le Fonds monétaire pour que le Fonds monétaire n'arrive pas à leur imposer des nouvelles privatisations. Tout cela, c'est à notre portée. Nous ne pouvons pas imaginer l'Europe sans la Méditerranée et sans une paix construite entre le Nord et le Sud. Du soutien aussi, je pense, à notre campagne pour les élections européennes à venir, où la question de la Méditerranée et le fait qu'il nous incombe d'aider à ce qu'il n'y a pas un embrasement général avec les solutions de compromis va être au centre de notre campagne. Donc merci de votre présence et de votre intérêt pour cette question si importante pour notre avenir commun. Merci Eva. Et avant de donner la parole à, j'allais dire à la salle, mais plutôt à la rue ou à l'espace ouvert
Je voudrais dire qu'il va y avoir beaucoup d'ateliers et de forums qui vont porter sur les questions qui ont été soulevées ici, que ce soit sur la Syrie, que ce soit sur le Moyen-Orient, que ce soit sur le Mali, l'Afrique, les ventes d'armes, la dénucléarisation, etc. Donc je pense que si vous voulez avoir un peu plus d'informations après le tableau qui nous a été fait, vous pouvez venir à tous ces ateliers et à tous ces forums. Certains, je pense... Théorique, en 1917-1920, en Alexandrie, Hassan El-Banna, Saïd Qutb, il faut le classer en tant que mouvement terroriste, et pour cela, ce n'est pas la juridiction tunisienne ou égyptienne qui va le faire. Il faut que ce mouvement ne soit plus reconnu, il faut que ses leaders soient considérés comme des théoriciens de la terreur et de la mort, et qu'il ne soit pas permis que des colloques et des congrès et des instituts de recherche travaillent sur le développement de l'islam démocratique sur la base d'une coopération avec les frères musulmans, parce que ce n'est pas un mouvement démocratique, c'est un mouvement violent, armé, qui a tué en Tunisie M. Chokri Belaïd, qui a tué M. Brahmi. Ce mouvement-là a agressé la centrale syndicale tunisienne rien que parce qu'elle a appelé à une grève sociale. Ce mouvement est le mercenaire des places financières internationales dans les pays arabes. Il tue au grand jour. Je suis aussi avec M. Boniface, je dénonce les massacres et l'instrumentalisation des armées censées être républicaines pour faire taire la rue. Je suis solidaire de la rue et contre la mort, mais je suis pour la criminalisation du mouvement des frères musulmans est définitive et partout internationale. Commençons par l'Europe, parce que c'est là que Mme Eva peut participer et que Europe Écologie aussi peut participer. Juste une dernière proposition en question, rapidement. À quand un vrai front officiel méditerranéen pour la lutte contre les places financières et cette dualité nord-sud qui est insoutenable, non vivable et non souhaitable? Merci. Merci. Avant de... Je ne sais pas si on aura le temps de prendre d'autres questions.